C'est un événement aussi rarissime qu'effrayant. Un surfeur professionnel a été attaqué par un requin en pleine compétition. Le drame s'est déroulé dimanche lors de la finale du JB Open en Afrique du Sud et a été retransmis en direct à la télévision. Mick Fanning, une des stars de la discipline, se trouvait dans l'eau lorsqu'un squale a subitement fait son apparition et l'a attaqué. Le triple champion du monde s'est débattu quelques secondes dans l'eau. Il a frappé le requin à plusieurs reprises, puis a nagé avant d'être secouru par les membres de la sécurité équipés de jet ski. Plus de peur que de mal, le prédateur n'a heureusement pas réussi à mordre l'athlète. And I was still attached to my board and I felt like I punched it a couple of times and then it was dragging me. I felt like it was just dragging me underwater and then all of a sudden my leg rope broke and I was like, all right, just start swimming. I was swimming and screaming. La mère du champion australien a quant à elle suivi toute la scène en direct à la télévision. This is absolutely terrifying. I just wanted to save him really, but there was nothing I could do. Face à une telle attaque, la manche du championnat mondial de surf a été annulée. Quant à Mick Fanning, il a retrouvé la terre ferme, choqué mais sans égratignure.